Bonjour à tous et à toutes, je suis Luc et bienvenue pour l'épisode 7 de Nox. Je crois que c'est l'épisode 7 si je me suis pas trompé. La dernière fois, dans le dernier épisode, qui a été un petit peu plus court que d'habitude et ça fait un peu bizarre, nous sommes partis pour récupérer les artefacts nécessaires afin de détruire Ekuba et de lever la malédiction qui pèse sur Nox et qui va aussi s'abattre. Notre première mission était de récupérer la hallebarde de Randous, qui est ici, que j'ai récupérée. Mais au départ, on devait la récupérer par Randous. Mais seulement, Ekuba est arrivé en même temps que nous, on va dire, parce que la cinématique n'était pas très claire. Et son nécromancien a récupéré la hallebarde et a tué tous les gardes et Randous. D'ailleurs, j'ai récupéré un petit peu d'équipement. Après un combat de boss. Un petit peu comme à l'épisode de Benny Hill. Vous mettez la musique de Benny Hill si vous n'avez pas vu cet épisode sur ce combat, c'est très marrant. Le nécromancien est battu et nous avons récupéré la hallebarde de Randous qui est juste là. D'ailleurs, je vais la retrouver dans mes équipements. Elle est ici et elle fait un poil plus de dégâts que mes armes classiques normalement. Voilà, un petit peu plus. Et c'est franchement juste avec sa force. Elle est indestructible d'ailleurs. Donc jusque là ça va. Et donc nous devons aller dans la tour de l'illusion qui est juste là pour récupérer le cœur de, j'ai oublié alors que j'ai vu il y a 30 secondes, le cœur de Nox pour alimenter la hallebarde et être assez puissant pour combattre Ekuba. Cependant, moi ce que j'aimerais avant, c'est voir un marchand récupérer la résistance de mon équipement, mais on verra bien. J'espère que vous êtes prêts. Je ne sais pas combien de temps ça va durer, ça se trouve c'est un classique 10 étages, mais moi je suppose qu'il va se passer quelque chose et je n'ai qu'une potion, donc je vais peut-être mourir. Ça me ferait un petit peu chier, mais c'est pas grave. Allons-y. La tour de l'illusion. Merci à la sauvegarde auto. Oh, ça commence. Oh, ça commence. Oh. Ça commence très très mal. Oh, regardez-moi ce chevalier ardent, sans peur ni reproche. Daniel, je vais te faire du mal, Daniel. Vas-y, ramène-toi. À l'aide. À l'aide. À l'assassin. Ouais. Fais gaffe. Oh, salut, toi. Ouais. Une pomme, vous n'en trouverez pas un meilleur prix. Oh. En plus, elles viennent directement de Dunmir, le village d'où vous venez. Alors ça m'intéresse. 34 d'armure, j'ai quoi moi? 32 avec une protection contre le poison de... Ah, 61. Ah là 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 là. En plus, magie, poison et feu et une excentée pas demain. À 10 000. Aïe aïe aïe. Je vais te demander de me réparer hein, quelques trucs. Voilà, qui juste vraiment quelques trucs. Mon arme, déjà, parce que bah, c'est mon arme. Et mes équipements. Ça va aller assez vite, hein, vous en faites pas. Je pense que ça, un jour, je vais la vendre. Ça, je la répare un petit peu dans le doute. Ça, je la répare. Ça, non. Et bah je vais aussi te vendre un petit peu de merdier. Alors les plates, les armures de plates, c'est très très utile. Mais ça coûte super cher, ça. Bon, je suis déjà pauvre. C'est pas grave. Vous n'en faites pas. On va vendre quelques trucs. Histoire de se refaire. Même s'il faut que je commence à sélectionner ce que je récupère. Je ne sais pas que si ça se speedrun ce jeu-là. L'armure, je la récupère. Enfin, je la garde. Plutôt. Ça peut être utile. Ça, c'est lourd et puis c'est inutile. C'est quoi ça? J'ai pas vu. Oui, manteau de guérison. Alors, je garde pas finalement. Ça, c'est un truc qui est utile. Le pichet de cidre. Je pense que je pourrais les vendre en fait. Certainement rien. Pantalon. Voilà, j'ai pas gagné d'argent. Ne bougez plus, chevalier ardent.
Daniel vous accuse de l'avoir attaqué sans provocation de sa part. Et ses blessures sont là pour en témoigner. Allons-y. Une charmante petite cellule, humide et froide à souhait, vous attend. Oui, allez, vas-y. Allez, en prison. Oh, je vais pas avoir de problème. Oh non! Profitez de votre séjour. Si vous vous comportez correctement, nous vous laisserons peut-être sortir de... Psst! Arrêtez-y, chevalier ardent. C'est... Voilà, je le savais. Salut, compagnon de cellule. Je me présente, Morgan le chapardeur. Tu ressembles à un homme qui aurait une mission à accomplir. Alors je me suis dit que tu aurais peut-être besoin de mon aide. La dernière fois que j'ai été arrêté, je me suis retrouvé dans la cellule que tu occupes aujourd'hui. Et je me suis échappé en creusant un tunnel. L'entrée doit être cachée sous la paillasse. Cherche-la, moi je fais le guet. Ok, Jean-Mi. Hop là, je suis parti. Ça va assez vite, hein. Allez hop, ça, je veux même pas en entendre parler. Petit dash. J'attends quand même que mon sort de dash se remette à zéro parce que c'est quand même utile. Alors c'est pas vraiment un sort, c'est une compétence, je sais, excusez-moi, je n'utilise pas les bons mots. Ah bah déjà sorti. J'étais pas dessus, excusez-moi. Oh, merci, Daniel. Daniel. Il s'appelle Daniel. Bonjour. Quoi ? Morgan a été à nouveau arrêté ? Des fois, j'ai l'impression qu'il fait exprès de se faire enfermer pour fuir ses responsabilités. C'est pas facile de gérer un réseau de contrebandiers, tu sais. Nous devons recevoir un chargement aujourd'hui et il faut absolument que Morgan soit là quand les marchandises arriveront. Tu sais quoi ? Si tu aides Morgan à s'évader de prison, je te donnerai un des boucliers enchantés que nous attendons aujourd'hui. Ouais, il y a beaucoup de choses à faire dans cette quête. Alors, libérer le prison Morgan le chapardeur. Très bien, je vais déjà faire une sauvegarde sur une vieille... une vieille emplacement. Oui, c'est un vieil emplacement, je sais. Alors, c'est... Faut entertainment, les gens. Alors... Là je sors et faut que je trouve la prison qui est là-bas. Comment j'accède à la prison qui est là-bas? Déjà je vais un petit peu regarder ce qu'il y a. Ah, une clé en or. Oh. Ah bah c'est... You Morgan, c'est toi Morgan? Merci mon frère. Suis-moi, je connais un passage secret vers l'extérieur. Je te suis, hein, Morgan. Oh! Merci de m'avoir libéré. Accepte cet or en signe de ma gratitude. Merci. Ah oui, voici aussi la clé qui te permettra d'accéder à la tour de l'illusion. Sois prudent lorsque tu entreras. Les magiciens réagissent souvent mal à la vue d'un chevalier ardent dans leur tour. Merci encore. Mais de rien. Morgan, où as-tu la tête pour te laisser arrêter ainsi? Merci de l'avoir libéré, chevalier ardent. Voici le bouclier que je t'avais promis. Quoi que tu aies à faire, je te souhaite bonne chance. Oh là là, ouf. Ouh là là, protection contre le feu 2, ça c'est super utile. Je vais le mettre, je m'en fiche. Ah, mais je peux pas. Voilà, le bard, c'est vrai, en main de main. Permettez, je fouille, hein. Ah, putain, oui, ça oui. Alors, je pourrais explorer un petit peu. Avant tout. Bonjour monsieur. Vous êtes hostile monsieur, je le vois bien. Enfin. Bonjour monsieur. Chevalier ardent, suivez mon conseil et soyez prudent pendant votre séjour à Galava. J'ai là des cercueils à votre taille. Eh ben merci mon copain. Ah merci mais... Non ça va, écoute. Moi je suis bien. Je vais explorer un tout petit peu quand même avant. Un chevalier ardent, voilà qui est rare par ici. Il vous faut une nouvelle épée. Non. Mais par contre, si tu as des potions... Pas de potion, non. Ah, un puits. Ça, c'est utile.
plus magique. Très bien, merci. Je suppose que c'est la tour. Je suis certain même que c'est la tour. Pas un petit passage secret. Ah bah tiens. Ça peut être utile, même si je l'utilise pas trop. Alors pourquoi j'ai... Ah, c'est une arme à charge. Ok. Ok, c'est pour ça qu'il me faut le cœur d'Anox. J'ai compris, je comprends tout seul. Armure. Enfin, bonjour monsieur, dame. Bienvenue chez Kincaid. Je peux vous vendre une armure, mais n'hésitez pas trop longtemps. Oui, oui, oui. Anti-choc. Ah, intéressant, mais non. Non, merci. Coffre à magie. Bonjour. Ça, c'est pour les marchands. Enfin, pour les magies. Il est rare de voir un chevalier ardent dans ma boutique. Je peux vous procurer une potion si vous possédez suffisamment d'or pour me dédommager. Bah, oui. Voilà. Attaque avec 3. D'accord. Et il y avait des parchemins. Les parchemins, ça fait un petit moment que je n'en trouve plus. J'ai acheté toutes les potions parce que j'ai besoin de potions, comprenez. Je suis pauvre en potions. Ah, il n'y a personne ? Si ? En réalité, les affaires ne vont plus si bien depuis qu'Ecuban en fait qu'à sa tête. Je vais quitter la région. Eh ben, quitte la région, écoute, je vais pas t'en empêcher. Par contre, je vais te casser tout ce qu'il y a derrière toi. Hein. Je vais aussi te voler. Il y avait rien, il y avait rien du tout. Il se passe quoi là? Oh, un étage. Oh, oh, des étages. Il y a peut-être moyen de... D'accord. Très bien, très bien. Rien dans cette chambre. Rien ici. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Une petite réserve avec un petit peu d'or. Un salon, semble-t-il, avec d'autres chambres, évidemment. J'explore hein, avant de m'attaquer à la grosse mission. Ah, bonjour. Mmh. Je pensais pourtant bien avoir fermé la porte à clé. Je m'en vais, t'es caté, j'ai rien vu. Je n'ai pas vu que tu étais à moitié nu. Et il n'y a rien d'autre. Là, il n'y a rien. Rien non plus. Pas de secret. Ah, si, là. Petite salle, oui, en effet. Sans doute une autre chambre. Rien à voler. Je pense avoir fait le tour de la ville. Ah non, pas ici. Petite pomme. Je crois que j'en ai assez. Là-haut, rien du tout. Et c'est là d'où je viens. Et c'est là où j'ai été arrêté. Toi, t'es quoi, marchand? Les chevaliers ardents ne sont pas les bienvenus. Ouais. Mais pour quelques pièces de plus. Ouais, pour quelques pièces de plus. Nifufu, j'aime l'argent. L'argent. Et là, je sors, ok. Non, je voudrais passer, s'il vous plaît. Là, c'est quoi? Chevalier ardent. Ce vieil orang d'où ça? Non, là, y a rien. Là. Un antipoison. Mais j'en ai plein des antipoisons. Ah, ça par contre, je prends. Là, y a plus rien. Là, je suis, je ne sais pas, dans une réserve. Ah, petite potion, pas trop tôt.
faire le plein de potions avant de mourir dans cette tour où il y a plein de magiciens. Y a rien du tout. Rien du tout. Bon, la potion, j'en ai plein, puis ça me sert pas tellement. Les champignons peuvent lutter contre les effets du poison, mais ils peuvent également avoir des conséquences néfastes. Ouais, bah justement, merci. Ça dépend. Ça va si je viens vers toi. Je te vole, hein. Bon, mais pas trop. Par contre, si je pouvais ramasser, s'il te plaît. Ah, pas grand chose ici. Non, j'étais pas là. Je sais pas de quoi tu parles. Là, c'est la prison, c'est ok. Là, c'est quelque. Ah, c'est un prêtre. Ce sol est sacré et considéré. Ok, je. Très bien, mon père. Je m'en vais. La rue. Ah, la fameuse ruelle. J'aimerais bien aller dans cette ruelle. Est-ce que je vais mourir? Très clairement, il y a quelque chose. Hein. Non, rien ne s'active. Bonjour. Ouais. Waouh, c'est très sérieux, messieurs. J'ai tout exploré dans cette ville, je crois. Ah, petite ruelle. Impasse, coupe-gorge. Là, il y a un truc que j'ai pas vu. Juste. Non, pas là, ici. Ah. Excusez-moi. Non. Excusez-moi, non, je ne peux pas. Très bien. Eh ben, un endroit auquel je n'ai pas accès. Et je vois pas. Si, je vois où je pourrais y accéder. Attendez. Ouais, je pense savoir. Il faudrait que j'aille ici. Et que je fasse le tour. Par derrière là. Oh là là. Est-ce que je viens de. Non, pas du tout. Pas du tout. Je viens de rien faire. J'étais sûr pourtant d'avoir trouvé quelque chose. Ah mais je suis passé derrière toi. Ah non, c'est vraiment un quartier que je ne peux pas accéder. Bon, eh ben, on va s'arrêter là et puis on va aller à la tour. Ça fait déjà un moment que je tourne en rond, j'espère que cette visite vous a plu. Allez, on y croit. Enfin, on y croit. Vous peut-être, moi pas trop. C'est parti. Ok. Okay, ouais. Hey, vous n'êtes pas autorisé à entrer ici. Mais aïe, monsieur, écoutez. Excusez-moi, hein, monsieur. Je ramasse vos trucs et je retourne en arrière. Ah, petite potion. Ah non. Non mais monsieur, écoutez, c'est un terrible malentendu. Attendez, il y a un objet. C'est quoi ça? Potion de soin. Ah bah oui. Qu'est-ce que je récupère là? Robe solide de magicien inutile, paire de bottes, j'en ai pas besoin. Solide casque, fais voir un petit peu. 125! Ah mais oui? Ah non! Ah! Je peux pas. Bon, ok. Parti, ça y est. En douceur. Ah, mince, c'est un sort. Il y a des portes qui semblerait-il sont piégées. Voilà, c'est là où j'étais. C'est le début. Ok, en douceur. En douceur, il y a des portes piégées, il y a des.
J'observe un petit peu ce qu'il y a. Ok, là il y a des expérimentations. Très bien. Wall. Ah, raté. Excusez-moi, messieurs. Vous n'avez... C'est pas beaucoup de points de vie en plus. Voilà. C'est réglé. Alors, ils ont pas beaucoup de points de vie, certes, mais ils font assez mal. Oh non, écoute. Hein. Faut quand même assez mal, ouais. Reconnaissons-le. Je suis full merdé. Aïe. Je vais me prendre tellement de magiciens dans les dents. Je vais sûrement mourir. Enfin bon. Ah, j'ai quand même une sacrée allonge avec tout ça. Allez, il y en a un dernier là-bas, raté. J'ai une sacrée allonge, en effet. Ah, c'était... j'ai marché dans le piège de ralentissement. Il est parti où? Il est parti où? Il est parti là-bas. Il est parti où? Il est parti où? Ouais, le sang me suit. Aïe. Mais... Non mais je vous jure, je vais y arriver. Hein. Ah merde. Attends, il va peut-être revenir. Bingo. Voilà. Alors, potion. S'il vous plaît. Je suis perdu. C'est des téléporteurs un peu aléatoires. Attends, je te prends les potions. Bonjour. Putain, aidez. Vous vous rendez pas compte à quel point c'est chiant en fait. J'ai failli mourir. Oh la vache, il y en a 3, il y en a 4, il y en a 5, il y en a 24. Il y en a beaucoup trop, il y en a beaucoup trop. Il y en a beaucoup trop. Je pense qu'il va falloir une meilleure organisation. Non mais je joue au chat et à la souris, c'est de blague quoi. J'espère que je peux sortir. Hein. Ah, mais il pose des pièges. C'est vrai que j'ai un sort utile pour eux. Ouf, alors lui, je le sentais qu'il y avait un piège. Je le sentais, je l'ai senti que... Il était un peu plus puissant que les autres. J'ai plus que 3 potions, c'est génial. Putain, puis les avoir en ligne droite, c'est le pire chose. Alors, là, il n'y a plus personne, on est d'accord. Ok. Là, il y a quelqu'un. Là, il y a quelqu'un. Il y a forcément quelqu'un ici. Non, par contre, il y a une soleil H2. Elle a été ajoutée à mon équipement beaucoup trop facilement. 36 servants pyrisme. Oh là là, alors là. Équipement avec mon guerrier. Mon marron d'âche. Oh là là. J'ai pas vu sa résistance. 200 de résistance. Ouais, pas mal. Faire une sauvegarde auto. Pour éviter de perdre. Fais voir. Ah oui, quand même. Ah, je peux le détruire. Cool. Ah, je casse tout. Je m'en fous, je casse tout. Casser. Attends. Je peux casser ça? Non, je ne peux pas casser ça.
peux réduire tous leurs trucs. Ça c'est marrant, ça c'est très très drôle et satisfaisant un petit peu. Alors on va essayer de faire ça dans le bon ordre. Ok, mais il faut une clé pour aller ici. Je sais pas si j'ai visité ici, semblerait-il que non. Un steak, je récupère. Deux steaks, je récupère. Toujours utile, des steaks. Là, il y a un endroit où je ne suis pas allé. Avec une potion, toujours utile. Pantalon, inutile. Un coffre avec un petit peu d'or. 200 or. Ah! Allez hop, et un, on va essayer de pas trop se faire toucher, même si ça me paraît compliqué comme tâche. Voilà, faut faire attention, je sais où est-ce qu'ils vont popper, c'est bon. Oh non, l'esquive moche, sale. Je les attends. Une droite. Raté. Évidemment, il y a des pièges. Allez, un. Allez, deux. Faut que j'arrête de me perdre. Parce que là, je sais pas où je vais. Je ne sais même plus où je suis. Oui, j'étais par là. En termes de potions, je suis assez mal. Le steak étant mon seul objet de soin que je trouve un petit peu partout. D'accord. Ok, ça amène là. Je vois où je suis. Si je vais là. Ah, punaise. Meurs. Hop là. T'as, faut vraiment aller en ligne droite pour les avoir. Il est parti où il est là. C'est pas facile la ligne droite. Pas très simple. Alors, j'étais ici. Ok. Ici, il n'y a rien. Il y a une petite pièce. Ah, oh putain. Ok, il y a un élevage. Il y a un très gros élevage. Il y a un très... Là, un gros élevage. Un énorme élevage. J'aimerais éviter de mourir. J'ai pas les pommes. Si. Manger des pommes. Comme disait ce fameux président. Là, j'arrive au nord d'ici. Là, je suppose que la grande salle, c'est là. Bonjour. Ouais, je me fais perdre ma rondache. C'est un endroit que j'ai jamais vu. Non, attention. Je le savais. J'ai pris la mauvaise diagonale. Qu'est-ce qu'on s'amuse à jouer au chat? Qu'est-ce que je m'amuse à jouer au chat, bordel? C'est moi ou cette hache ne... Je suis un manu. C'est pas le bon plan du tout. Oh! Je me rééquipe vite. Où est ma hache? Tant pis, je prends la hallebarde. J'ai perdu ma hache là-bas. Qu'est-ce qui s'est passé en même temps là-bas? Putain, je le savais. Oh là là. Voilà. Un petit peu mieux. Donc ça mène à cet endroit qui n'a rien. Ça mène à ce bureau.
qui amène juste ici, donc je sais où je suis. Par contre là, un magicien, oh, des magiciens rouges, possiblement beaucoup plus dangereux. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai failli décéder, mais alors d'une force. Par contre, ouais, ça oui, ça oui. Ah, la clé, je sais où elle mène. La clé, je sais où elle va. Waouh. J'aimerais ressortir aussi pour revenir. Tu as été totalement incapable de t'emparer du cœur de Nox. Les magiciens de Galava ont fait don de ton corps à leur académie afin que des études plus poussées soient menées. Je crains que cela ne leur apprenne pas grand-chose. J'ai marché sur un piège. Putain, j'ai marché sur un piège. Ah, je sais pas où je suis. Oh, je suis loin. Oh, je suis tellement loin. Je suis au secours. Au secours, je suis même beaucoup trop loin. Oh, horrible ce qui se passe, horrible. Ouais. Pas de sort, pas du tout. Oh, faut que je fasse gaffe au piège. Ah, c'est ça qui me fait perdre en fait. Ramasser les pommes. Ah là là, j'ai bouffé un piège alors que j'ai failli mourir la première fois. C'est chaud, Trex. Faut que je fasse vraiment attention. Moi. Donc, là, j'ai vu. Oui, là, j'ai vu. Là, je sais où ça mène. Ok, c'est là. C'est là. Attention. Hop là. Spire. Ah mais c'est lui. D'accord, c'est lui. Ok. Donc, je prends sa robe, quand même. Ça peut toujours être utile. Je prends la clé, qui peut être utile. Je sauvegarde et je sais que juste là, il y a un piège quelque part. Ça c'est un piège. Ok. Il était là, le double piège. Chargé. Chargé. Ok. Je peux pas le... Non, je peux pas le... Attendez. Non, je peux pas... Si, je passe. Oh la vache, faut que je passe vraiment à côté. Oh, horrible sensation. Horrible sensation, en effet. Donc, faut raser les murs. Je me le suis pris, j'ai pris aucun dégât, je suis refait. Tout va bien. Donc là, j'ai terminé cette partie-là. Il y a une clé que j'ai récupérée qui va tout en bas par là. J'ai oublié un truc ici. Je viens de voir que j'ai oublié cette porte. Tout va bien. Tout va bien se passer. C'est une zone de TP, ok. Qui me ramène au centre, ok. Alors, il y a cette zone-là que j'ai pas encore explorée. Je me bats à main nue, mon équipement, il est où mon équipement? Où il est mon équipement? Je l'ai perdu. J'ai perdu mon équipement, il est où? Alors ça me posait problème là. Mon équipement a glissé, pourquoi? Il y a une clé, tiens. Solide casque. Oh là 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 là. Équipement de dragon. Où est mon équipement? Je l'ai pas perdu. Oh là là. Oh, la protection contre le feu. Mais alors là. Allez. Non mais je suis pas fou.
Attendez, parce que j'ai plus mon équipement là. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh la vache, il est derrière. La hache, ok. Et... il y a ma rondache quelque part. Ma rondache. Oh non. J'ai pas paumé ma rondache. Bon. Je vais mettre ça en attendant. Ah, attendez. Bah, quelle sorte de merde. Ok. Donc là, j'ai récupéré tout ce qu'il faut. J'ai la clé. Je vais manger des pommes. Qui sont... tiens, un petit steak. Et des pommes. Ah, mais quel endroit de merde. La clé, elle va normalement tout en bas. À ce niveau... elle allait à ce niveau, je crois. Faut que je retrouve la porte. J'ai perdu la porte. Problématique. Putain, le piège. Heureusement. Oh, quelle merde. Je sais pas où je dois aller. Je suis perdu. Je sais pourtant que j'ai vu une porte qui était coincée. Ah. Ah, l'ascenseur. Ok. Faut que j'active un mécanisme peut-être. Ok, ok, il y a un mécanisme quelque part. J'ai réussi à me perdre. Secours. Ah là! Putain. Ok. C'est bon, j'ai trouvé. C'était là. Eh ben voilà! Eh, c'est bon, je me suis pas perdu. Allez, deuxième étage. J'aime pas ça. J'aime pas ça du tout. Il y a un piège en plus. En douceur. Je vais en viser un de toute façon. Aïe, il y avait un piège. Et oh là là, la doublette. La doublette. Ok, donc deuxième étage. Faire attention. Ah mais ils se rendent invisibles en plus. Là c'est bien, c'est les couloirs par contre. Donc je peux faire ça.
Level up. En pleine action. Level up en pleine action, c'est beau. Allez, viens là. Viens là, je te dis. Ok, j'ai level up. Je suis très content. Toi, pas de magie. Ok, c'est un niveau à couloir. J'ai perdu sa trace. J'ai perdu sa trace. Pas bouger. Ok, en douceur. Il y en a peut-être d'autres quelque part dans les chambres, surtout. Faut que je fouille les chambres une à une. Ouais, j'en ai vu un. J'en ai vu un. Je vais y aller en douceur. Je suis redescendu, c'était pas prévu. Mais, je sauvegarde. Je vais m'arrêter là pour cette première partie. De toute façon, vous aurez la suite. Ça va être un épisode qui va être assez long, je pense. Mais grâce à la magie du montage, je vous retrouve dans quelques instants. A tout de suite. Et nous y revoici. Alors, pour moi, ça a duré un jour entier. Mais pour vous, ça n'a pas duré très longtemps. Je suis allé récupérer tous les objets aussi. Et je les ai revendus. Ce qui fait que j'ai un peu remonté niveau thune. Pour le moment, ça se voit pas trop, mais... Je vais voir si, en fonction des étages, combien je peux tirer d'argent. Mais il y a moyen qu'à la fin de cette session, je devienne un peu riche. Je vais aussi ramasser des trucs, donc j'y pense. Je vais faire pareil. Là, il n'y a rien. Oh, attends, qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que j'ai là? Ouh, ça, ça a l'air cool. J'ai déjà une protection contre le feu. Je la revendrai. Je sens que les potions, j'en avoir besoin. Ah ouais, j'entends de la magie, moi. Allez hop. Normalement j'ai... Ouais, soin superficiel c'est une régène plus 2. Donc... Si c'est des petits dégâts comme ça, ça me fait pas peur. Une clé, d'accord. Je ramasse énormément de choses. Donc tout ce coin là, là-bas, ça doit être la suite. Je sais plus si je l'ai dit. Je crois que je l'ai dit, ouais. Ah. Oula, oula. Oula, il y a... Ça, c'est quoi ça? Lui, je vais me le faire. Oh là là, le spire. Incroyable, le spire dans ses... dans sa mouille. Donc oui, là j'avais une cuirasse en griffe de fer de dragon, c'est bien ça, je récupère masse de choses. Alors 800 de raise, 150, 226. Un tout petit peu moins. Tout petit peu moins. Ah c'est de pas grand chose en plus. C'est dommage. Surtout que j'ai pas choisi le bon objet. Ah, il y a encore une protection contre le feu. Ouais, mais il y a un peu mieux. Donc là, full protection contre le feu. C'est pas mal, moi j'approuve. Là, qu'est-ce qu'on a? Hop. Wow. Pourquoi il court? Pourquoi il courait pas, j'en mis là? Bizarre cette histoire. Je casse tout. Je casse tout. Puis en plus j'ai pas la bonne arme. Ah, là il y a de la magie. Là il y a de la magie. Alors j'ai aussi ça, très utile. Aïe. Viens là, viens là, viens là, arrête de courir.
Allez! Allez! Meurs! Oh putain! Allez! Saleté! Donc là, il y a des magiciens, ça j'ai très très bien compris. Merci. Grosse salle, a priori. Ouais. Si je peux tout ramasser et faire un aller-retour en vitesse après, c'est tant mieux. Ouais. Oh la vache, il s'est un tout petit peu écarté. Hey, hein. Toi, pas de sort jusqu'à ce que je te chope. Aïe aïe aïe. Failli mourir. Saleté. Saloperie. Il y a une. Ouais, la petite potion de magie. Là j'ai clairement vu qu'il y a un passage. Oh bah petit sang, tant mieux. Formidable tunique de cuir, ouais, pas très utile. À combien je suis? 1007, ça va, je peux encore en porter un petit peu plus. J'avais vu un objet, où est-ce qu'il est? Il reste encore la salle qui est tout en haut. Qui est ici. Voilà. Hop. Là, il n'y a rien. Ok. Bon. Toute cette zone est contrôlée. Ça aura pris un petit moment. Alors, où est-ce que je vais? Par là. Hop là. On dit bonjour, on crie, on spire. Je pense que c'est la meilleure méthode à faire. Là, ça rejoint. Alors, je sais que vous entendez mes clics et que c'est un peu dérangeant. Moi aussi, ça me dérange pendant que je regarde les vidéos en même temps. Et oui, là, c'est comme ça. Écoutez, je m'en excuse. Et j'ai ouvert un coffre avec rien dedans. Est-ce que c'est réel? Ah, si. Attends, il est où? Si, je l'ai vu. Je l'ai poussé. Je suis sûr que je l'ai poussé comme un gros con. Je vais tout casser. Y a rien. Mais vraiment? Oh là là, qu'est-ce que c'est mal foutu. Énervant. C'est le mot qui me vient à l'esprit. Oh, c'est dommage, c'était une très belle diagonale. Oh non, je me suis fait à côté. Allez, pan. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a un coffre. Avec une potion, parfait. Je me refais le plein de potions. Tant mieux d'ailleurs. Ok, la suite ça doit être là. Oh lui. Lui, oh c'est le pire, oh c'est le pire. C'était le pire. Pire magicien, les violets. Alors ça TP en veux-tu en voilà. Je me la suis bouffé vraiment. Est-ce que c'est réel? Est-ce que c'est vraiment réel ce qui se passe? Mais vraiment, arrêtez. Allons messieurs. Oula, ça ramait un petit peu. Ouais, j'attends que vous veniez. Aïe. Allez hop.
C'est réglé, toi. Ah, ça c'est beau. Ça c'est le genre de choses, quand ça marche, c'est très bien. Voilà. Allez. Dans ta mouille. On ramasse tout. Je sais même pas ce que je ramasse. Là c'est dans un... Pas dans le coin. Les potions. Les potions par contre j'en trouve pas mal. Ce qui est une excellente chose. Je pense que je vais bientôt faire un aller-retour si ça continue. Ah, petit shuriken. Ah. Tu me touches pas. Raté. Oh, cette chance. Grosse chance que j'ai eu qu'il ne m'ait pas TP. Ah, trop chargé. Trop chargé. Et ben, je vais finir cet étage et puis je vais dans un accéléré aller en ville pour tout vendre. Oh le con. Vas-y, meurs tout seul. Oh. Tu as été. Oh c'est moche. Oh c'était là, je crois que j'ai marché sur un piège. Oh puis je dois tout recommencer. Putain. Oh que ça m'énerve. Allez, tiens. Oh que ça m'énerve. Putain, il est passé où? Tiens, bouffe. Putain, tout recommencer, sérieusement. Chier. Allez hop, un des deux. Toi tu meurs. Putain la vache. Ça marche pas ça. Oh j'aime pas jouer au chat à la souris, c'est une expérience très désagréable, vous le savez ça. Putain mais en plus pour me rater comme ça, oh c'est beau. Génial. Allez, save. Attention. Putain, protection de feu, hein. Protection niveau 2, je me prends quand même du 57 de dégâts. Faudra qu'on explique où se trouve la protection dans ces cas précis. Ah, mais en plus, il résiste. Il est où? Oh la vache. Ah, mais pire passage. J'étais pas en face, t'es sérieux? Oh, mais ça commence à m'énerver cette histoire. Putain, heureusement qu'il est potion littéralement tous les 5 mètres. J'ai plus de place, évidemment. Bon, là je sauvegarde, je me fais pas avoir. Voilà, meurs devant ton piège de con, voilà. Là, y a rien. Y a vraiment rien en fait ici. D'accord. C'est moi. J'ai appuyé sur le mauvais bouton. C'est ma faute. Vas-y, meurs. Littéralement, meurs. Là. Je sais qu'il y a rien. Vas-y, meurs.
à ton tour, voilà. Je peux pas ramasser ça, c'est vrai. Normalement, merci. C'est pas ça que je voulais. C'est dangereux ces endroits-là. Voilà. Je l'ai vu. Je l'ai vu, ça ressortait un petit peu du décor. Et normalement, tout est libre. Tout est libre. Ok, il y a même une potion en plus. C'est quoi ça? Troisième étage. Électricité. Yes. Bon. Je fais un aller-retour en avance rapide et je vous retrouve devant le troisième étage. A tout de suite. Je profite de cet accéléré pour vous demander de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, si le contenu vous plaît. D'ailleurs, si c'est la première vidéo, je vous invite à aller regarder ce que je fais d'autre, notamment les grosses vidéos type rétro et avis subjectif. Ou alors laisser un petit pouce bleu, mettre un petit commentaire, vous savez, même partager. C'est tout simple, c'est rapide, mais ça aide beaucoup. Merci de votre attention et bonne continuation. Bien. Étage 3, qu'est-ce qui nous attend? Je ne sais pas, j'ai peur. C'est parti. On nous vend magicien et électricité, très bien. C'était pas le bon bouton. C'était pas du tout le bon bouton. Ah non, là c'est une salle de TP. C'est moi, je suis ralenti. C'était pas le bon sort, surtout. Ah, au secours, au secours, au secours, au secours, au secours. Je me fatigue par des trucs et des machins et des bidules. Je survie ma vie en même temps. Ah la vache. Est-ce que je suis en train de paniquer un tout petit peu? Mais vraiment léger. Allez. Allez, un de moins. Allez. C'est toujours pas le bon sort, je sais pas où je suis, au secours, aidez-moi. J'ai vu Marie-Joseph, je suis mort! Putain! Oh, c'est trop compliqué, trop de choses à gérer. Alors, déjà, magicien en violet. Voilà, et un. Hop. Essayer de les faire un à un et de les piéger. Là, il y a beaucoup d'objets. Voilà. Je veux pas en prendre plus? D'accord. Voilà, trop de choses. Bien des choses. On verra ça plus tard. Ok. Hop là dans le dos, je me cache. C'est vraiment la jouée petit petit sexe là. Mais bon hein. Qui ça va déranger. Là il y a des trucs, encore. Plein d'objets à les ramasser et à les vendre. Oh la vache que oui, on va aller vendre plein de bordel. Je vais en douceur. Ah, on m'a repéré, je crois. Tu m'as pas repéré, c'est faux. Personne ne me repère. Alors ça ne sert. Ça, je sais toujours pas quoi ça sert. C'est pour voir les pièges, peut-être. Là, je sais qu'il y a, un truc qui va se passer. Je le savais. Voilà, déjà nuit. Si
te plaît. Merci. Là, il y en a sûrement un autre. C'est prêt. Oh la vache. Voilà. Problème réglé. Putain, je suis paumé, je sais pas où je suis. Si, c'est bon. Je vois où je suis. Donc, les deux salles là, c'est fait. Là, c'est là d'où je viens. Ça, c'est là où j'ai été. Il y a quelques secondes. Putain, je déteste ça quand l'objet pop. Mais il est dans le décor. Je déteste ça. Ça, c'est bon. Par là. Une TP. Ok. Là, j'ai fait le tour. Ok. Maintenant, il faut que j'entre là-haut. Y a-t-il quelqu'un? Y a plus personne. Très bien. On va ramasser quelques trucs. Et on va savoir où je dois aller. Dans pas longtemps. Même rapidement. Ce sera le ménage, quoi. Je pense que plus ménage que ça, c'est pas possible. Est-ce que c'est pas la téléportation? Ça me paraîtrait le choix le plus logique. Au pire, je ramasserai tout à la fin. Je ne sais pas ce que vous en dites. On teste. Hop là. Ok, je reste là. Hein. Je bouge pas. Je ne bouge pas. Hop là, ça c'est fait. Ouf. Oh la vache, heureusement. Heureusement que je suis à fond niveau potion. Du stock, toujours utile. Je récupère ça. Et puis ça aussi, donc j'y suis. Au moins je ne les oublierai pas. Et c'est tant mieux. De ce côté, qu'est-ce qu'on a? Invisible. Ouais, invisible. Là. Ok. Là, il y a une téléportation. D'accord. Là, il y a que dalle. Te. Faut pas bouger. Oh. Et on l'a fait pas moi. Ok. Et là-haut. Paf, dans le coin et il est pas mort. Je ne peux plus rien porter. Très bien. Par contre, il y a beaucoup de potions. Alors, ok. Je dois faire quoi maintenant? Reprendre la téléportation? En effet, je suis ailleurs. Mon esprit est ailleurs, semble-t-il. Avec Jean-Mi l'enflure. Allez hop. Oh le mur. Le mur. Oui. Oh là là, quel nul! Alors, j'ai vu où je dois aller. Là. Il y en a sûrement d'autres. Oh, il y a un super bâton. Que je ne peux sûrement pas utiliser. Parce que je ne suis pas un magicien. Oh! Oh, alors ça. Ça a l'air cool. Alors, 250. Les protections anti-éclair, ok. Je vais mettre les anti-éclair. Voilà. Je suis paré.
c'est tant mieux. Il y a une potion, il y a un gyro, il y a un marteau de guerre. Là, je suppose que c'est un escalier. Quatrième étage. Et ben, comme d'hab, je vais vendre des trucs et je vous retrouve devant ce quatrième étage. Je pense que cette fois, je vais vous le skipper, vu que vous avez vu comment je fais à chaque fois. A tout de suite. Nous y voici, le quatrième étage nous attend. Juste avant, je suis passé acheter ce petit truc, cette formidable épée à deux mains en bronze de l'araignée, notamment pour son petit 66 de dégâts et son poison niveau 2. Au cas où, c'est juste au cas où il m'arrive quelque chose. Alors, allez, qu'est-ce qui m'attend? Ok. Oh mais je foire mes attaques, qu'est-ce que c'est que ça? Oh je sens que ça va être génial. Je sens que ouais, oh c'est génial. Oh c'est pas bien sûr, parfait. Putain, faut que j'esquive la magie. Faut que j'esquive la magie. Mais t'as, t'es pétoi, fils de con. Putain, alors lui, je. Voilà, et un. Vas-y, ramenez-vous tous. J'attends. Moi j'y crois, ça va bien se passer. Je me suis pris la porte. Je suis un énorme sac. Allez, ça va bien se passer. Maintenant. Raté. Aïe. Lui, je crois que c'est. Ça marche qu'une fois évidemment. Putain. Allez, et un. Faut que je me débarrasse le plus possible de cela. Ces magiciens là, ils mettent beaucoup trop de dégâts. C'était pas ce que je voulais faire. Mais c'est pas vrai ça. Oh que ça va m'énerver. Lui, allez hop, un de moins et j'attends. Vas-y, je t'attends devant la porte. Je t'attends devant la porte, mon gars. Oh, j'en ai marre. C'est pas prévu. Mais c'est pas vrai que. Arrête de traiter! Oh là là! Mais. Oh ouais, ça m'énerve. C'est chiant ça! C'est super chiant comme. Quoi? Il vient de se passer quoi là? Ah non. Alors là, je refuse de mourir instant. Là, la mort instantanée, je refuse. Allez, j'en ai tué un. Fera toujours ça de régler. Mort instantanée, jamais vu ça. Quoi? Non. Ah, je vais tricher. La sauvegarde automatique, c'est fait pour ça. N'importe quoi.
Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, le bâton. Ok, maintenant ils sont tous dans des salles. Le but du jeu, c'est de pas se tromper. Voilà. C'est bon. T'es déjà beaucoup plus calme quand il la ramène moi. Pouh. Oh là là, mes aïeux. Quelle emmerde. Quelle emmerde. Je peux avoir la pomme. Ok. Ok, alors lui il y a une TP. Je sais qu'il va te ratterrir là. Non. Aïe. Je sais pas ce que j'ai activé. Je sais pas ce que j'ai activé, mais je l'ai activé. Ah, je crois qu'il y a un truc qui s'est enlevé là. Je crois que quelque chose s'est enlevé. Allez, hop, une spire. Je ne sais pas ce que j'ai fait, je ne sais pas ce que j'ai fait, mais c'était pas ce que je voulais faire. Oh la vache! Il a réussi à mettre son sort avant que je le frappe. C'est compliqué cette zone. Elle est beaucoup beaucoup compliquée là. Là, il y a des gens. Quoi? Mais comment à chaque fois ils arrivent à m'avoir? Comment ça m'énerve cette histoire? Voilà, allez, tu dégages. Oui, ils me mettent zéro dégâts. Saloperie! Oh, que ça m'énerve. On ramasse tout l'équipement. Surtout ça. T'as énormément de sauvegardes rapides dans ce... dans cette partie. Ah oui, ça a enlevé quelque chose, là. Le bâton. Allez, ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Voilà. Putain, faut que je le vise bien, quoi. Mais le viser, ça me prend un tout petit peu de temps. Donc, plus qu'une zone. Et je suis pas allé ici. Il s'est téléporté. Mais je lui ai enlevé ses chaussures, tiens. Raté, j'ai visé le mur. Voilà. Saloperie. Heureusement qu'il y a des potions partout. Attention. Eh ouais, c'est ça. Ramasser les objets. Ramasser aussi le soin que j'ai laissé traîner un petit peu partout. Et donc là, ça doit m'amener quelque part. Bon, est-ce que j'ai encore un peu de place?
J'ai encore un peu de place. Je le tente comme ça. Je le tente comme ça. Allez. Si jamais ça marche pas, tant pis. Je récupère juste les quelques rares objets qui me restent à prendre. Ces chaussures que j'ai ratées. Allez. J'y crois. Je sais pas où, moi j'y crois. Ah la vache. Ok, j'y crois plus. Faut que je rentre, je crie. Mais double quoi. Ok. J'en tue un déjà. Putain, heureusement que j'ai utilisé une potion. Il me faut une clé. Et je suis pris le mur. Oh que ça va être énervant ça. Allez, tiens. Heureusement qu'il y a des potions qui traînent partout. Ah, c'est pas vrai où je dois aller maintenant. Allez, à droite. Tiens, je l'ai visé en premier. C'est eux que je l'ai visé en premier. Ça, je l'ai retenu, c'est bon. Oh là là, la spire sur le côté. Faudrait que je check aussi combien il me reste d'XP avant de pouvoir augmenter de niveau. Une clé. Toujours utile, la clé. Ça m'ouvre pas cette clé. Enfin, cette porte. Combien d'XP pour voir? Et bientôt double level up. Ça va arriver assez rapidement avec de la chance. Allez, celle-là. Voilà, meurt. Dans le mur. Dans le mur, le con. Je le vois, je te vois, mec, t'es là. Putain, faut que j'arrête. Level up. Level up. Putain, ça fait du bien, level up. Ah, je suis désormais trop lourd, ok. Va falloir que j'enlève des trucs. Ça vaut rien. Ça vaut rien, on est d'accord. Ça vaut quand même pas mal d'argent. C'est la clé d'or, ok. Donc là, je me prépare au boss. Où est-ce que j'en suis niveau point de vie? 121. Ça va. Ça va bien se passer. J'enlève ça. J'enlève ça. Et 2-3 paires au cas où. Moi c'était qui au boss. J'y crois. Je ne sais pas vous, mais j'y crois. Ça va bien se passer. Cinquième étage, magie de haut vol et collection de printemps pour magicien. Vu que je ne peux pas revenir en arrière, je pense que c'est la fin. J'espère. Sinon je suis un peu mal. La musique a changé. La musique a changé, j'aime pas ça. Voilà. Ouf. Spire, allez. Je vais même pas chercher à comprendre. Je suis allé comme ça. En récupérant les casques. Hop. On en poursuit qu'un seul. Jusqu'au bout. Histoire de lui faire comprendre que c'est pas gentil de m'attaquer, de me foutre des 86 de dégâts.
Je m'énerve beaucoup. Je me suis fait mal contre quoi? Non, non, mais oh là là. Allez hop. Allez, viens m'attaquer si tu veux. Moi, je t'attends. Vas-y, viens. Aïe. Vas-y, viens. Tiens. C'est bon? T'en veux encore? C'est qu'on veut encore là? Ça, je ramasse, ça vaut cher. Ça vaut cher. En fait, faudrait que je ramasse que des casques. Les casques, ça vaut 100 balles. Le reste, ça vaut la moitié. Ouais, je fais mes courses en même temps. Allez. Aïe, 92. Ouais. Allez, j'en ai eu un. J'attends que ça se recharge. Je l'ai eu à côté. Je suis trop con. 57, c'est mort. Salut. Mais bien sûr. Allez. Paf. Je t'attends pas. Ok. Ça va bien se passer. La potion. Toujours est-il. Alors, à gauche. Je me suis mal pris. Viens. Qu'est-ce qui s'est passé? Faudrait que je les prenne là. Oh, le spire sur le côté. Allez, viens. Hop là. Je sais pas ce qu'ils essayent de me faire, mais ça marche pas. Ça doit être un sort étrange pour me déséquiper. Ok. J'aime pas quand c'est des labyrinthes comme ça. Lui en premier. Ah, lui se téléporte, c'est vrai. La saloperie. Je suis où? Ah, le spire. Donc là, il y a quoi? Y a un coffre. Une clé. Ok, ça devait être là où je devais aller. Il y a même une pute de stratégie là, c'est bourré. C'est là d'où je viens, ouais. Il y a une potion que je vais prendre. Je vais continuer d'aller par la gauche. Oh non, avant qu'il me fasse un sort. Hop là, toi tu bouges plus. Ça va, je reste confiant. Je reste confiant sur la tournure des événements, même si je doute un petit peu.
sur ce petit endroit. Ok. Ok, ok, je vois où je suis. Donc il n'y a plus que cet endroit à visiter. Hop là. Tais-toi. Petite potion. Ok. Le casque. J'ai plein de casques. Je suis très content de cette collection. Je vais enlever 2-3 trucs encore. Je suis sûr qu'il y a moyen de bugger le jeu. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Ok. Ok. C'est pas fini? Le cœur. Ah, le cœur de Nox. Eh bah, ben, tiens. Ça s'annonce comme étant un boss. Et je m'y connais. Putain, je le savais. Oui. Oui. Aïe. Il y en a un qui est mort. Comment je survis, je ne sais pas. Viens. Viens, je t'attends. Je vois où je dois aller. Voilà. Aïe. Voilà. Bah alors, il était pas dur ce combat. Par contre, j'ai ramassé vos équipements à vous. J'espère qu'il n'y en aura pas d'autres, parce que j'ai quand même niqué 5 potions. 4 ou 5, je sais pas compter. Je crois que j'étais à 5. Ok. j'aime pas ça. Vraiment, j'aime pas ça. C'est des fucking pics. Ok. On est complètement d'accord que si je... Que ouais, c'est ça. Ok, y a pas un truc pour que je désenclenche les pics. Un espèce d'anti de fin de piège. Et on a un passage secret. Non mais vraiment les gars, calmez-vous quoi. Non, y a pas moyen. Y a zéro moyen. Attention. Oh là là, c'était tellement une idée de génie. Le génie ou la stupidité, au choix, à vous de voir. Je vais mettre ça sur un autre slot. J'ai juste pas envie de décéder. Tiens, ici ça me paraît pas mal. Aïe, heureusement que j'ai une bonne armure.
Je sais tellement pas ce que je fais. J'espère qu'il n'y a pas de boss. Je peux pas fermer ça. Non, ça ne fait rien. Allez. C'est fini là. Allez, c'est fini là. C'est fini. Allez. On se dit que c'est fini. C'est pas fini. Ok, bah même technique que pour les autres. Ah non, c'est fermé, ok. Non la vache, ça va être chiant. Oh que ça va être chiant. Oh que ça va être énervant. Oh non, mais quoi? Oh, premier spire. Oh mais quoi? Ah mais non, mais jamais quoi. Donc j'arrive à les bloquer contre un mur. Les bloquer contre un mur, c'est pas une chose évidente. Ouais, alors les gars non. Alors les gars non. Hein, ça non. Oh la vache. Oh que c'est chiant. Ah. Ouf. Quoi? Oulala. Oulala. J'avais réussi à faire quelque chose. Où est passé mon armure? Et mes trucs et mes machins. Mais avance! Putain, mon armure est là. Je tente des stratégies. Hein. Si ça marche, c'est du génie. Aïe. J'ai oublié que j'ai ma hallebarde quand même. Ah, je. Ah, oh, vous ne pouvez pas déposer cet objet. Ah. Attends, je vais l'avoir là. J'espère que vous appréciez ce gros combat. Allez, rien. Plus qu'un autre. Je ramasse tous ces objets à lui. J'aimerais aussi ramasser ma hache. Je vais ramasser ma hache. J'ai pas ramassé ma hache. Je ne repars pas sans ma hache. On est d'accord là-dessus. Elle est là. Aïe. Aïe. Connard. Et la mâche. Je m'en fous, j'ai sauvegardé. Je m'en fiche, j'ai sauvegardé. Parfait, pile là où je voulais t'amener. Aïe. Oui. Non mais c'est pas vrai qu'il bouge vite là, mais l'animal. Faut que je lui cours après tout le temps. Bourre. Voilà. Saleté. Putain, j'en suis venu au steak maintenant. Ça n'arrive pas, ça, les steaks. Incroyable. Allez. Fini là. Un petit boss en plus. Hein. Je suis sûr que t'en as encore dans le ventre, le jeu. Ben voyons, ça pue le boss. Ça pue le boss. Oh là là,
C'est évident. Non. Oh là là, c'est tellement évident que ça pue. Ah non, c'est bon. Le troisième élément composant le fauchard de l'oubli est la créature des arcanes gardée dans le temple d'Ix. Rends-toi en ce lieu, mon garçon, et trouve la créature. Prends-en grand soin sur le chemin du retour. Seul, la hallebarde que tu possèdes te permettra de la transporter car son simple contact suffit à réduire à néant tous les autres types de métaux. Alimenté par le pouvoir magique du cœur de Nox, l'appétit en énergie sans limite de la créature des arcanes sera satisfait. Ensemble, ces deux éléments forment l'arme suprême qui permettra de venir à bout des serviteurs de la reine du mal. Je ne peux pas aller plus loin. Le temple d'Ix se trouve au nord du village. Hâte-toi. Peut-être auras-tu besoin de l'aide d'Alduin pour arriver à bon port. Retrouve la créature des arcanes et rejoins-moi ici même dans cette clairière. Sois astucieux et rapide, mon garçon. Oh la ferme! Oh la vache! Oh putain, j'en ai marre. C'était quoi, toi? Je vous souhaite toute la chance du monde, jeune aventurier. Ok, très bien. Oh la vache, c'est terminé. Du coup, j'ai une hallebarde à charge. Je peux charger des trucs avec ma hallebarde, mais il faudrait que je vende du bordel. Faut que je vende du bordel parce que là, je suis dans le mal. Je suis vraiment dans le mal. J'en profitais pour m'équiper dès à présent et pour ne pas oublier de ma fucking épée à deux mains. Ça a chier des briques. Bien! C'est enfin terminé. Oh, que c'était long. Intense. Chiant. J'avais parlé sur 10 étages au départ, mais bon, 5, c'est pas mal non plus. Gros ennemi. Je vais essayer de trouver un village qui doit être derrière cette porte, j'espère. Merci à tous de l'avoir regardé en ma compagnie. J'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, si vous avez apprécié la vidéo, un petit pouce en l'air, un commentaire. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater les autres vidéos tous les mercredis à 15h30. C'est fixe et c'est établi. Je suis également sur Twitter et Instagram où je suis le plus présent et où j'annonce l'avancement des vidéos et je parle un petit peu de ma vie, tout ça. C'est important. Merci à tous, bon jeu et à la prochaine pour la suite de Nox.